Merci pour fidélité et attention à l'édition nouvelle cela. Nous retournons pour développer toute information pour vous. Et je nous dis dans grand titre membre commission justice et sécurité publique dans le Sénat République là présenté mercredi 3 octobre là rapport sur code procédure pénale là. Président commission sénateur Jean-Renel Sénatus t'es profité pour tes explications sur plusieurs changements qui fait en dans document cela. Élisée Kolo et Moïse Oubrit sont dans le parlement en suivant extrait. Après 17 mois de travail, commission capable à produire rapport que l'a déposé officiellement devant bureau sénatorial matin. Moi, je voulais remercier de manière toute particulière tout le monde de manière générale qui a contribué dans aider à réaliser le travail ça, dont le personnel du Sénat qui a parcouru tout le pays avec nous et même des voyages dans l'international pour nous être capables de préparer un travail qui répond à besoin société, un travail qui est purement haïtien. 32 nouvelles infractions, 32 nouveaux comportements, les gens à partir de nouveaux codes là, que yo ka arrêté ou ka payer amende ou ka aller en prison et à partir de quoi le débat sera ouvert à travers la République sur code pénal et code de procédure pénale là, dont votation a dû commencer d'ici la première semaine du mois de novembre si pas gagné problème. N'a toujours été dans le Parlement haïtien sous bicentenaire, puisque de l'autre côté, il y a deux membres dans la Commission justice et la sécurité publique dans le Sénat, qui est le sénateur Ralph Marie Fitt-Refitière, avec un sénateur Jean-Marie Salomon qui expliquait l'objectif du rapport, ça, c'est pour des précisions sur une série de dispositions de loi dans l'ancien code pénal et la procédure pénale. Toujours dans le micro, Élisée Kolo. Procédure que nous avons adopté pour nous capables d'examiner, nous capables de dire, eh bien, projet de loi qui portait sur le nouveau code pénal haïtien. D'abord, du point de vue de la psychologie. Là, nous parlons de psychologie, c'est-à-dire nous voulons rendre le texte plus compréhensible possible, même pour le commun des mortels. C'est-à-dire n'importe monde n'est pas obligé de faire droit pour comprendre ce texte a dit. Deuxièmement, nous devons moderniser le système pénal en Haïti. Voilà pourquoi nous parlons de psychologie. Maintenant, du point de vue de la philosophie, eh bien, nous devons gagner un code pénal haïtien qui est adapté aux réalités haïtiennes. N'oubliez que les lois dérivent de la nature des choses. Donc, si on code pénal, il faut que le code pénal reflète toute réalité, toute mœurs, etc. Maintenant, nous avons surtout abordé la méthodologie. Nous étendons le maximum de monde possible et c'est des gens venus de différents secteurs et d'horizons divers à travers le projet de loi ça et nous avons consulté les organisations de femmes ou les organisations féministes, société civile là en général, les universités, les partis politiques et les organisations de défense des droits humains, les associations de magistrats, la Fédération des barreaux d'Haïti. Et nous avons même gagné des missions à l'étranger dans le cadre de ça que nous relayons, études de droit comparé. Et c'est comme ça que nous avons gagné pour nous examiner à la loupe code pénal béninois, code pénal belge, camerounais, code pénal français. Et ça te permet que eh bien, nous fassions en raison des faits de la globalisation. Nous avons regardé si le projet de loi ça te respecté la Constitution. Nous avons que oui. Nous avons regardé si que l'ité vient respecter toute loi, toutes les conventions internationales que et nous avons signé en tant que pays. Nous avons oui que l'ité respecté. Donc, l'ité recevable.
Et nous te dire tout dans grand titio dans cadre d'une conférence spéciale dans local ministère Kilti à communication dans Port-au-Prince mercredi 3 octobre là secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis parler sur différents sujets qui concernaient actualité sociale et politique là. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis renouvelé détermination gouvernement pour continuer bataille contre corruption pas bon ici et puis renforcer toute institution qui concerne dans bataille cela. Eddie Jackson Alexis annoncé gain diverses dispositions qui prend dans niveau gouvernement dans cadre dossier Petro Caribéa. En nous souvient externe déclarationné dans micro Rachel Saint-Fort avec Frisnel Toussaint. Chef gouvernement était allé rencontrer conseil la Cour des comptes, l'a visiter pour connaître dans quel état la Cour a fonctionné. La Cour des comptes, c'est un pilier dans le système administratif pays, puisque c'est lui-même qui l'a pour contrôler toutes dépenses qu'a faites dans l'État. C'est un tribunal lié tout, donc le tribunal administratif. Dans la discussion avec les conseillers de la Cour, ils ont échangé sur le problème la Cour a confronté, le problème que les conseillers ont rencontré dans le cadre de travail, et ils ont parlé tout sur le dossier Petro-Caribé. Dans ce sens, le chef gouvernement promet la Cour des comptes pour le bal tout appui technique et financier, tout ça a demandé pour que vous continuez à faire travailler, notamment travail sur le dossier Petro-Caribé. Dans la fin de semaine passée, le Premier ministre Jean-Rissé a engagé des discussions avec l'autre institution qui est toujours concernée concernant le phénomène de corruption dans le pays. Je parle de ULCC, UCREF, IGF, qui c'est l'inspection générale des finances. Dans la rencontre liée avec toute institution SAIO, il est question pour que bon état des lieux de fonctionnement institution SAIO, pour connaître qui appuie l'État, gouvernement, capable de bailler, pour que il renforce le fonctionnement institution SAIO. Le Premier ministre est préoccupé par l'écho qui gagne suite à la demande de reddition de compte que la population a fait aujourd'hui hein, à travers une question principale qui c'est côté COP Petro-Caribéa. Il y a au moins trois dispositions qui prennent au niveau exécutif là. Un, le Premier ministre là écrit toute compagnie qui concernait, qui a gagné un contrat dans le cadre programme Petro-Caribéa pour être capable de bailler explication. Sous façon de utiliser l'argent qui est dans la main. Déjà, il y a une compagnie qui répond. Donc, qui répond aux correspondances nous adressées. Il y a une autre qui m'a dit rencontre. Et il y a tout qui a annoncé qu'il a compilé le dossier pour être capable de présenter au chef gouvernement un rapport par rapport à la correspondance qui est adressée. Le gouvernement prend disposition, deuxième point, deuxième décision, pour renforcer sécurité, juge instruction, cap travail sur dossier Petro-Caribéa, et puis mettre plus de moyens à la disposition pour en rien pas bloquer dans l'enquête judiciaire. Troisième disposition, ministère planification écrit toute institution l'État qui a exécuté projet ou encore qui a signé un contrat avec entreprise. Qui te gen contrat nan men yo. Donc tout projet yo te gen sou Petro-Caribé pour capable partager information avec ministère planification. C'est une façon pour ministère a ramasser toute information pour lui-même. Nous venons un dossier complet sur façon l'argent Petro-Caribé a été utilisé comme ça pour capable communiquer avec population. Et gen en pile dans institution publique ça yo qui déjà voyé réponse by ministère de la planification. Moi, je voulais profiter de l'espace ça pour que notre gouvernement nous réaffirme volonté nous gagner et détermination pour nous continuer à gommer contre la corruption, nous renforcer toute institution dans le pays qui l'a pour ça, donc qui concerne la bataille contre la corruption. C'est mercredi 3 octobre là, Institut Bien-être Social et Recherche mette bout dans un atelier 3 jours de travail, l'étape organisée
sous thème adoption et protection de Timouna qui est dans une situation difficile. Directrice générale Ibersla, Ariel Gentil-Villeroy, fait qu'on est les satisfaits pour réalisation atelier formation SILA qui permettent de faire plusieurs recommandations. Dieu donne l'idée à cette Kwapa qui était sur place et a présenté nos comptes rendus. Après 3 jours atelier travail ça qui déroulait sous adoption à protection timoun qui dans situation faiblesse avec participation cadre dans IBERS et puis acteurs qui impliqués dans question timoun, directrice générale IBERS là Ariel Gentil-Villeroy dit gagner plusieurs recommandations qui fait dans l'idée pour mettre contrôle dans pratique adoption. Recommandation premièrement c'est ce renforcement de coopération parce qu'on a une génération gros faiblesse côté ou après que autorité judiciaire et autorité administrative pas un pilier entre nous. Et ou après que substitut commissaire du gouvernement est là, juge pour enfant est là, et me penser que yo comprenne nécessité pour renforcer le lien, et ceci même avec les représentants de maisons d'enfants qui étaient là, pour yo comprenne que c'est le premier acteur que yo est dans la protection de Timoun, puisque c'est au recevoir Timoun, malgré que je toujours dit que tout Timoun t'a supposé vivre dans la famille, tout Timoun t'a supposé vivre dans la famille, pas yo. Mais malheureusement, Timoun haïtien, tout pas un bonheur ça. Donc, comme pas de bonheur, ça nous supposons travailler ensemble pour nous joindre des alternatives de remplacement. Institut Bien-être Social et Recherche prend engagement pour renforcer la coopération avec Ophelina, centre d'accueil dans le pays d'Haïti, d'après DG Ibersan, qui dit plus loin, pour Anessa, il y aurait censé 400 adoptions. Et que nous prenons engagement pour nous travailler dans un esprit de co-responsabilité. Ça veut dire que chacun a une mission, chaque monde a un rôle, et nous décider que la coopération est supposée renforcer pour nous assurer nous vraiment que l'adoption qu'a venu aux institutions éthiques humaines dans le respect des droits de l'enfant et je pourrais dire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Formation ça qui était démarrée lundi 1er octobre 2018 là te permettre concerné yo te réfléchir sur différents thèmes tant que trafic timoun dans adoption, qualité rapport enquête sociale sur adoption timoun qui dans situation faiblesse. N'a pas poursuivre à ka information yo. Magistrat principal commune Taba, Nice Simon, baya explication mercredi 3 octobre là, sous ak violence li sibi nan la nuit lundi 1er octobre là, en bas mes conjoint lui, Yves Léonard. Magistrat Nice Simon a déclaration ni, mande justice à ka réparation. Lunel Jean-Louis ak Michel Joseph a présenté non contre-rendu. À deux bras. Si ça te confait, jodi, tu vas chanter encore. C'est avec phrase, magistrat principal mérite à Baha, Nice Simon, qui t'est accompagné avec plusieurs autres magistrats, te prend la parole devant la presse avec une voix bien triste pour détailler ce qui passé là. Si magistrat reconnaît, c'est pas la première fois, les subit avec violence à yo, il encourage l'autre victime pareil, il sortit dans le silence, pour te plaindre et puis dénoncer aux thèses avec violence à yo. Octobre 2015, rapport là, il est clair que Major Basile est clair sous lui. Il m'a demandé pour le baillon rapport de 16 personnes qui sont dans l'administration de 2015, octobre 2015 à janvier 2016. Nous connaissons que en janvier 2016, octobre, pas de magistrat déjà. Ce qui veut dire que ça n'a aucun rapport de loin ou de près avec moi. Mais étant donné que c'est continuité de l'État, si que l'information est là, moi-même comme l'État, dans l'administration publique, moi t'as supposé joindre. Mais nous connaissons qui j'en pays d'Haïti, dans la conjoncture électorale qui j'en s'accompagne, et majorité dans la mairie, dans le pays, toujours subi violence, toujours subi acte de vandalisme, leur gagné période électorale. Et bien ces mêmes gens, mairie Tabar, pas épargné de ça. Moi, pas joint de documents, malheureusement, que vous avez demandé des documents qui ont rapport avec l'administration antérieure. Le major Basile, dans 4 travail, effectivement, il est obligé de voir dans le parquet, quoi des bouquets, pour le commissaire du gouvernement, qui c'est Yvon Jean-Noël, pour être capable de finaliser le dossier. Alors, il a fait une première convocation pour être invité dans le tribunal. Et c'est alors, moi, j'ai dit, Léonard, dit que l'a traité dossier hein, ensemble avec un commissaire parce que ses amis liés l'a traité dans les coulisses ensemble avec lui. Moi je dis non, dossier n'est pas concerné et même s'il était concerné, moi je crois que justice supposée faite. Si il y a un bagage qui était mal passé sous l'administration antérieure
gain des employés qui des victimes moins mieux placés pour aider enquête ça aboutir à quelque chose pour employés ça capable de faire justice. Il dit que faut que moi chita avec commissaire du gouvernement pour aller négocier on va ensemble avec moi moi témoin pas dans négociation d'ailleurs il y a un conflit d'intérêt dans ça. Si un commissaire est bon faire une enquête, UNC c'est bon faire une enquête, une enquête sérieuse, il n'y a pas de raison pour venir chita dans l'hôtel. Comme c'est dans l'hôtel, c'est censé loger, li manger là, dormir là. Plus machine mairie, c'est dans mes liens. Moi, je dis là, l'hôtel a été. Et puis, le Livin parle avec moi de ça, moi dit, moi pas dans mascarade encore, et puis il dit, moi le fort qui était fréquent, et puis il kembe dans la gorge, là. Et puis il kembe, il pousse, il tout fait, et puis il a vraiment pile calotte dans la figure, dans toute tête, coup de poing. Et c'est l'homme senti que vraiment, moi pral mourir vraiment, et puis pendant la bonne calotte, coup de poing, bon, toujours bon Dieu pour innocent, et puis moi modèle. La pousse tout le temps m'a mordé la peser avec force m'a mordé la avec force t'a peser avec force et puis bon Dieu pour moi et puis il lâche et puis pendant lâcher c'est là ça il camper devant porte là pour me pas déplacer. Magistrat Nissimon qui t'a montré divers côtés les recevoir coup dans main Yves Léonard mandé la justice prend toutes mesures pour joindre et puis punir coupable là. Mais aujourd'hui en moi là bien vivant pour capable témoigner moi-même. C'est pas la question, un et l'autre, c'est dans quatre fonctions. Et bon Dieu protéger, bon Dieu accompagner, qui fait que moi là, moi campé pour me défendre tête. Et pour toute République là, qu'on est nationale, internationale, qu'on est que c'est dans quatre fonctions que moi été agressé. Président Fondation Jéclairéa Marie-Hélène Gilles et président FENAFAMNA magistrat Rosemila Petitfrère qui était accompagné victime nan en signe de solidarité souhaité justice faite avant longtemps dans quatre dossiers ça. Nous croyons que ça passé a pas de recommencer encore. Donc nous même comme organisme de défense de droits humains Fondation Jéclairéa a campé là ensemble avec lui pour nous capable bataille jusqu'à ce que les jeunes justice à réparation. Revendication nous pas changé, c'est même revendication avec magistrat Nice, nous venons là pour nous faire solidarité ensemble avec lui et nous pour l'accompagner le kounia pour l'année dans pas qu'un ça m'avait pour déposer l'autre plainte parce que il déposait plainte depuis hier dans le commissariat Tabalan et Kounia là encore ensemble avec l'a continuer à accompagner pour qu'elle capable joindre justice mettre action publique en mouvement contre monsieur Yves Léonard et encore commissaire là lui-même qui a utilisé machine mairie qui entre dans connivence ensemble avec monsieur Yves Léonard qui a demandé pour négocier à pas pour que ministre justice en tout cas prenne disposition. C'est petit commissaire gouvernement tribunal première instance quoi des Boukéa et de Guillaume déjà émettre un mandat d'amener contre Yves Léonard et puis écrit immigration pour empêcher le quitter pays. Dans le cadre de dossier, c'est là, ministère de justice et sécurité publique, le commissaire gouvernement Croix de Boukéa, M. Yvon Jean-Noël, a une lettre mise en disponibilité. L'ETSA qui est effectif à partir du mercredi 3 octobre 2018 là, rentré dans le cadre d'enquête ministérielle à Tamé, dans le cadre dossier qui mettait face à face à magistrat Tabar Nice Simon et partenaire Yves Léonard. Dans le même registre, ministère de justice et sécurité publique, m'a bail l'ordre à directeur service immigration et émigration pour empêcher Yves Léonard quitter pays pour ne pas arriver quitter pays. Il y a ni à travers la mer, ni à travers, ni en l'air, ni à terre. Et toujours dans le cadre de ça, il y a un paquet Croix de Bouquet qui a eu un mandat d'amener derrière Yves Léonard qui est accusé pour violence et tentative d'assassinat sur Nice Simon. Nathanaël Jocelyn et William Francillon, qui sont deux psychologues, pour des précisions sur ensemble point qui capable la cause violence en toute qualité dans le temps en couple. Question économique, jalousie, prétention, supériorité, pour citer ça ou seulement, c'est parmi les causes qui a incité violence dans la famille selon deux spécialistes. Ils ont participé dans l'émission mise au point avec Sergino Ledor en nous suivant. Le phénomène ça, il y a tendance à accepter d'accord comme étant normal. Comme si vous rencontrez des gens qui disent ah, faire respondre pour Marie ne pas battre moi. Donc là, Marie ne pas battre moi. Non, ça c'est une situation anormale. C'est pas bien. On a un monde pas le droit de frapper l'autre. Un monde pas le droit de menacer l'intégrité de l'autre. Là. De toute façon, même lorsque nous gagnons des engagements, nous prenons des engagements, nous vivons ensemble, mais ça n'a pas le droit pour faire violence sur l'autre, là, pour essayer de mener à baisser. Au contraire, c'est deux mondes qui décident pour mettre ensemble, pour vivre ensemble, pour partager la vie, partager une certaine intimité, partager une relation de couple. Relation ça, l'État supposé
en relation conviviale, côté que l'autre monde a senti le retrouver. Qui ça connaît la cause que nous arrivons à faire violence sur l'autre, je dis elle capable physique et capable psychologique ou offensive. Tout le monde, il y a une grande hypocrisie dans la société. Et puis, il y a une pratique, j'ai un collègue qui a dit que la violence dans la vie, il y a un aspect soit anormal ou normal. C'est tout à fait normal pour me battre moins. C'est tout à fait normal pour Marie me battre moins. Ça veut dire c'est comme si c'est ça le niveau une culturel et qui pas vrai. Nous manquons à chercher bien-être. Bien-être, mon pas trop priorité pour nous. Nous manquons monde qui vraiment senti bien, qui estime, qui est capable d'arriver à dépasser ça, qui est capable de comprendre l'autre là. Et c'est capable d'arriver à exprimer frustration sans violence. Capable d'arriver à dire non. Sans que je ne sois obligé de craser l'autre là. Et c'est de meilleurs humains que vous nous arrivez à former. Je voulais rebondir sur les conséquences de la violence là, sous Timoun. Allez-y. C'est vraiment. C'est ça qui peut montrer que la violence est anormale. Timoun n'a pas dit qu'il y a ça, premier bagage, ça choque. Mais pour qui ça, c'est comme ça, maman, maman? Bon, moi, comme je rencontre un jeune homme, Timoun, pendant que. Il dit Nathanaël. Je ne parle pas de mes mains à battre papa. Et ça, il y a des répercussions. Un, sous Jean Satine, sous bien-être. Li. Et, difficulté scolaire là, son situation qui préoccupe chaque soir. Le yon a frappé l'autre. Il n'a pas senti l'impôle. Un petit monde qui a prouvé la raison, il voit que c'est anormal, que ce n'est pas bien. Et le lab grandit dans ça. Les pavlés, ouais, ça comme modèle, et c'est ça qui fait que l'inhumain. Je veux dire, ça ne va pas proposer en termes de prévention. Pour les gens qui sont ensemble, pour les gens qui vivent ensemble, pour que nous ne sommes pas obligés d'utiliser la violence comme outil pour nous résoudre le problème. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser la violence comme outil pour que nous mettions d'accord sur ça, nous pas d'accord. Bon, pour les gens qui proposer ces questions en termes de prévention, c'est plus dialogue, communication dans le couple. C'est que si pas répondre besoin pour placement et par contre si moun yo gen boîte pour faire semaine maintenant ou bien si il mange dans cala et pas ça c'est pas important mais c'est pour un petit temps tout ça c'est ou ka vivre à moun nan c'est ou qui moment qui plus propice plus probable pour bal c'est sur avant dormir sur cabane nan faut petit temps pour parler on fait bilan et couple là c'est ça. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dans le gouvernement condamné violence qui fait sous magistrat Tabani Simon pendant lui préciser pas gain cocodaï ak autorité pour moun qui enfreint la loi dans ça qui gain pour ak agression qui fait sous équipe journaliste télévision 2000 secrétaire d'État communication recommandé une enquête pour fixer responsabilité yo et puis sanctionner si nécessaire monde qui doit sanctionner. Nami Courage c'est fort à Fresnel Toussaint en nous suivant extrait. Par rapport à l'image nous yo et déclaration il rapporté que magistrat Tabar l'a fait nous condamner violence quel que soit côté sorti sous quel que soit monde en particulier sous femme dans communauté mais surtout sous une autorité publique, une autorité locale donc son autorité établie. Nous condamnons agression Anne, alors ni Simon, me dit Anne, bon, tout pour nous écouter la petite sa sortie, subie par conjoint lui, ça semblait passer avant-hier au soir, dans l'espace que vous possédez vous-même, le gouvernement condamné sa crivée. Le ministère conditions féminines, il y a un autre officiel qui fait sortie, nous avons joué dans la minute qui a suivi, sous agression ça. En ce qui a trait à la question justice, pas de proximité avec l'autorité, les que ou ta enfreint la loi. Pas de proximité avec l'autorité. Donc, quel que soit le monde, pour enfreindre la loi, citoyen, il décide de poursuivre vous. L'État est tout capable de saisir d'office par rapport à l'agression. Quel que soit le monde, pour enfreindre la loi, pas de proximité avec l'autorité. Moi, je voulais profiter de l'occasion, dans nos PAM, avec nos gouvernements, pour nous condamner. Agression qui fait sur une équipe reportage, Radio-Vision 2000, hier mardi 2 octobre, dans la direction immigration. Nous exprimons solidarité nous avec les confrères qui sont victimes. Nous recommandons une enquête administrative avec une enquête judiciaire sur le dossier. Ça, une façon pour que
comme gien moun ki victime, gien agression ki fait sou moun, faut gien enquête judiciaire ki fait sou dossier ça, yon façon pour yon capable rétablir la vérité donc qui ça t'est passé réellement. Deuxièmement, fixer responsabilité chaque moun dans dossier ça et puis sanctionner si nécessaire tout moun ki concerné. Dans même occasion sur réseaux sociaux dans radio, nous au courant ancien ministre Guilherme Sedelva, zami nous confrère nous qui était envoyé dans le ministère là, te gen bouche l'ouvri toujours dans immigration dans même journée hier là. Nous souhaiter enquête là toucher point ça tout. Nous connaît tout gen nous qui pral dire secrétaire d'état ou te promettre pour chercher information sur dossier Vladimir Gagnon. Moi rencontré de CPJ de déplacer mal côté en créole nous dit promesse et dette. Mais j'avais une dette envers vous, me l'honore. Lesim jusqu'à présent résultat test ADN qui était fait sur mon sous-vêtement chapeau yo t'ai retrouvé dans Grand Avenue résultat pour venir sur les États-Unis. Donc ni même ni nous-mêmes dans tout pays a yo même tout dans DCPJ on dans l'attente. Donc n'attend toujours mais on te promet m'a pas information et ça me joindre m'baili et nous pas oublier que il y a deux monde qui déjà arrêté dans dossier ça qui actuellement en prison et dossier a li dans cabinet d'instruction. Et c'est là nous fermons chapitre local là nous prêler à l'étranger environ 3 jours avant élection présidentielle déroulée dans pays Brésil. Sondage mettait devant candidat extrême droite là Messias Bolsonaro. Candidat Sila est victime pendant l'état fait campagne 22 juillet passé à côté l'été recevoir un coup de couteau dans un individu. Euronews a dit nous plus. Je suis né en 1955. Ma mère adorée, fervente catholique, m'a donné le prénom de Messi. Mais je ne suis pas le sauveur de la patrie. C'est nous tous qui allons sauver cette patrie. Jair Messias Bolsonaro a des raisons d'y croire. Le candidat d'extrême droite est loin en tête des sondages à 3 jours du scrutin présidentiel brésilien. Ses soutiens voient en lui l'occasion de chasser une caste politique salie par les scandales de corruption qui ont abouti à la destitution de la présidente Dilma et conduit son prédécesseur Lula en prison. Ce qui m'a décidé à voter pour lui, c'est qu'il ne fait pas d'arrangements politiciens. Mais dans un pays qui se remet durement d'une grave crise économique et politique, le candidat, qui ne cache pas son admiration pour la junte militaire, a des raisons d'inquiéter. C'est un candidat qui laisse planer une certaine incertitude quant à son engagement réel vis-à-vis de la démocratie. Nous pourrions assurer sans aucun doute que Haddad, Marina, Ciro et Alkim, qui sont les autres principaux candidats, croient. Footballeur Cristiano Ronaldo voulait jeter accusation comme quoi dire l'État violé l'Union américaine dans l'année 2009. Catherine Mahoga accusé superstar portugais, lui dit qu'il était forcé le faire sexe à Clé dans l'hôtel Las Vegas dans l'année 2009. Là. D'après Cristiano Ronaldo, femme en Silla à Claude Mouna, t'a venu à dossier Silla pour capable faire publicité et puis vine vedette sous dollar. Euronews a dit non plus. Accusé de viol, Cristiano Ronaldo, la star du football mondial, dément. Le quintuple Ballon d'Or est accusé d'avoir violé une Américaine dans un hôtel de Las Vegas en 2009. La police a rouvert une enquête lundi après la plainte déposée par Catherine Mayorga. Selon son avocat, elle a trouvé la force d'aller en justice et de s'attaquer aux footballeurs grâce au mouvement MeToo qui dénonce depuis un an les abus sexuels commis par les hommes de pouvoir. Ce mouvement et les femmes qui ont publiquement dénoncé des abus sexuels ont donné beaucoup de courage à Catherine et lui ont permis d'en arriver là, de déposer une plainte. L'international portugais a démenti vigoureusement, expliquant que le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de ce qu'il est. Il a aussi dénoncé ce cirque médiatique monté par des gens qui cherchent à se faire de la publicité à ses dépens. Juste après les faits, le 13 juin 2009, la plaignante avait dénoncé son viol à la police de Las Vegas et subi un examen médical. La police affirme que la procédure n'avait pu aller plus loin car à l'époque, la jeune femme n'avait pas voulu donner le nom de son agresseur. Eccolo qua.
Un peu plus tard, une médiation privée aurait abouti à une transaction financière, $375 000, en échange d'une confidentialité absolue sur les faits présumés de viol et de l'abandon de toute procédure judiciaire. Un accord considéré aujourd'hui nul et non avenu par la plaignante et son avocat. Et c'est là, journal arrive dans Mbouti. Nous sommes vraiment contents avec vous pour informer vous avant de nous aller permettre que nous rappelons grand point qui dominait l'actualité. Commission justice et sécurité publique dans le Sénat présenté mercredi 3 octobre le rapport sur le code procédure pénale. Président de la commission, sénateur Jean-Renel Senatus, pote explication sur plusieurs changements qui fait en dans le document. Secrétaire d'État communication renouvelé détermination gouvernement pour continuer bataille contre corruption et renforcer toute institution qui concernait dans bataille cela. Eddie Jackson Alexis parlait comme ça pendant une conférence pour la presse libaye dans local ministère communication dans Port-au-Prince hier mercredi. Magistrat Tabanis Simon by version li sous violence li sibi en bas mes partenaires li Yves Léonard. Yon lot bon ministère justice ak sécurité publique mette en disponibilité commissaire gouvernement Kwade Boukeya Yves Jean-Noël nan cadre dossier sila. Et puis à l'étranger, footballeur Cristiano Ronaldo voyait jeter accusation comme quoi dire il a violé une américaine dans l'année 2009. C'est grand point ça à quelques clôtures. Nous t'ai porté pour un journal là jeudi. Nous t'ai vraiment content ensemble avec vous. Vous êtes seulement pour capable souhaiter passer un très bon jeudi sur TNH. Bye bye tout le monde.